Eh bien, salut à tous et à tous les gars, c'est MicroS, comment ça va? Moi, les gars, ça va super bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour l'épisode numéro 35 ou 36? Non, c'est 37, je sais plus. Bref, on se retrouve pour un épisode de la Carrière Manager avec Hull City, les gars. La dernière saison hein, qui s'approche gentiment de la fin. On a déjà joué 12 journées de championnat. Les gars, aujourd'hui, c'est un gros épisode. À nouveau, on va faire 5 journées. Hein, on va faire en tout cas 5 matchs. Liverpool, on aura un match ultra important pour la suite de notre Ligue des Champions contre le Spartak. Crystal Palace, Chelsea et le Milan AC. Donc en gros, on va clôturer ce premier tour de Ligue des Champions. On l'espère avec une qualification pour la suite de la compétition, les gars. Une chose est sûre, c'est que là, on a un match très intéressant contre Liverpool. Et on va jouer avec l'équipe B, puisque le prochain match, vous avez compris, c'est la Ligue des Champions et qu'on ne peut pas se permettre de jouer avec l'équipe 1, puisqu'on a besoin de l'équipe 1 à 100%. Mais on va jouer avec l'équipe B, et dans l'équipe B, il y a Zwolinski qui est en feu. On espère vraiment qu'il va nous claquer des buts, notre petit Polonais, les gars. Donc on se retrouve tout de suite hein, sur le terrain pour ce match contre Liverpool. Sur le leader, attention à cette... Attention! Magnifique Dragowski, superbe. C'était dangereux. C'était dangereux. Ça commence très très fort. Liverpool qui se crée la première action. Donc ça va être un match très compliqué. Oui. Allez. Allez, t'y vas, Zwolinski. Hein. Tu y vas. Hein. Allez, tu pousses ton ballon. Il y a pénalty! 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 Il y a pénalty! C'est ça, Zwolinski! Magnifique! Notre Polonais qui provoque le pénalty. Pourtant, Moreno, il est rapide. Moreno est rapide, mais là, il tacle. Je crois que c'est Moreno. Non, c'est Flanagan. Flanagan qui tacle. Pénalty, les gars, ça commence bien dans ce match. Allez, Zwolinski, il avait marqué un pénalty dans l'épisode précédent. Allez, mon gars, allez, tu nous la mets. Et il nous la rentre, notre Polonais, allez! Superbe, le meilleur buteur du club. Vraiment. Un super joueur ce Zwolinski. La première, hein, je dirais, en 10 mai. Hein, Ouh, attention à cette percée. C'est super bien joué de Liverpool, mais ça passe au-dessus. Bien joué, c'est justement super bien gagné ça. Fin de frappe. La frappe de Loftus-Cheek, le poteau, mais c'est pas possible. C'est pas possible. Loftus-Cheek, il a vraiment une superbe frappe de loin. Ok, ils ont fait des changements, eux. Quoi? Ils ont fait rentrer Paul Pogba. Ah d'accord. Les gars, ils ont juste Paul Pogba sur le banc, quoi. Ok. Donc là, c'est du très 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 lourd ce qui vient de rentrer au milieu de terrain. Paul Pogba, les gars. Oui. C'est super. Allez, les gars. Crochet, Zwolinski, tu piques dans l'axe. Touche là. Encore. Mais c'est juste! Tarachai pour le 2-0. C'est une action d'école. C'est une très très belle action collective, les gars. Voilà, le leader est invaincu. Le leader est invaincu et il restera invaincu. Super travail de toute l'équipe. Belle combinaison de la part de tout le monde. Et on va trouver Tarachai qui inscrit là son deuxième but en championnat. Magnifique. Superbe action, les gars. Paul Pogba qui est pas loin de nous la dévier. Oh là, ça joue très très bien. Ça joue super bien même. Ouh là 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 là. J'ai taclé avec Oxford. L'erreur. Oh là là, Loftus-Cheek, superbe. Loftus-Cheek a vraiment une super frappe. Hein. C'est vraiment un joueur qui a une frappe exceptionnelle. Superbe Diop, magnifique l'intervention. Et on peut déployer une action là. Allez, 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 tu t'arraches, tu t'arraches, tu t'arraches. C'est Lovren, il est pas rapide. Tu crochettes. Oui, tu crochettes. Tu mets une bonne balle dans l'axe. Zwolinski, le meilleur buteur du championnat. Le 3-0. Magnifique. Oh, mais Zwolinski, je suis à deux doigts d'hésiter à le mettre avec l'équipe 1. Avec l'équipe A, mais franchement, si je le mets avec l'équipe A, qui c'est qui marquera les buts dans l'équipe B, quoi? C'est incroyable la qualité de l'attaquant. Magnifique, il est en pleine bourre et pourtant il se fait mais complètement ramasser par le gardien de l'équipe adverse. Ça ne change rien pour lui. Regardez, c'est son huitième but. Superbe, super Lucas Zwolinski, les gars. Franchement, quel attaquant, quel joueur. Il fait super plaisir. C'est un super joueur. C'est vraiment un super joueur ce Lucas Zwolinski. Et moi, je garderai un excellent souvenir de lui, ça c'est sûr. Attention. Ah, c'est goal! Oh, magnifique arrêt de la part de Dragowski, qui est en bête Mopey là. C'est terminé, les gars. Voilà, victoire. Victoire très très importante. Très très belle aussi. De la part de
Hull City, les gars, bravo à tout le monde. Franchement, on a fait un super match. Et pourtant, on a été très très réaliste. Regardez les actions, mais Lucas Wolinski, il a fait un match exceptionnel. Victoire 3-0 contre Liverpool, les gars. Allez, les gars, là, c'est vraiment. On joue aujourd'hui contre une équipe qu'on a battue, mais c'est vraiment là, ça commence à devenir chaud cette Ligue des Champions. Le groupe est vraiment serré. Même le Milan, hein, même le Milan pourrait gagner son billet pour les 8e encore. C'est mathématiquement faisable. C'est pour dire le niveau du groupe. On est vraiment tombé dans un groupe vraiment super intéressant. C'est plaisant à la jouer cette Ligue des Champions pour le moment. J'espère vraiment la jouer la plus longtemps possible. Et ça passe par des victoires. Et c'est aujourd'hui qu'on doit gagner, les mecs. C'est parti. Au niveau de la première ligue, il marque je ne sais combien de buts. Attention quand même. Magnifique, Donnarumma. Magnifique. Première frappe. Ouais, elle semblait comme ça anodine, mais première frappe de Moscou, attention. Ivan Lopez, attention. Attention, Robert. Oh, attention, Neves. Attention, Neves, ce genre de ballon perdu là. Il est venu avec beaucoup de détermination. Attention au centre. Attention au centre. Attention, les gars. Ça part d'une perte de balle et ça finit au fond. C'est justement ce qu'il fallait pas. Allez les gars, allez, allez, allez les gars, il faut se remettre dedans là, faut se remettre dedans, on va passer en offensif parce que là on fait vraiment la mauvaise opération. Tu peux partir dans le dos de la défense. Allez. Oh, magnifique arrêt de la part du gardien, j'étais sûr de l'avoir battu. Super parade là, allez. Voilà, c'est juste Ivan Lopez. Là, c'est de la combativité au milieu du terrain. C'est juste. On va dédoubler derrière. On dédoublera. Il faut vraiment se battre sur tous les ballons. Voilà, Tolisso. Mais oui! Voilà! C'est la pression qui fait la foi, les gars. Allez! Et Ben Yedder qui marque. Il est important, ce joueur. Mais qu'il est important, ce joueur, les gars. Super travail. Allez. Magnifique. Bien joué, les gars. Carton rouge! Carton rouge, monsieur l'arbitre! C'est rouge direct, allez! Il doute pas, l'arbitre. C'est clair qu'il doute pas. Où on est loin, on va la mettre dans le paquet et on espère une déviation de la part d'un de nos attaquants. Oh, la balle qui revient. Il y aura un corner, il y aura un corner. Le dernier corner. Le dernier corner pour peut-être arracher quelque chose de plus qu'un match nul. Chacun le centre. Oh, il est très très bien capté, ce ballon. Et c'est terminé dans ce match. On prend un point de notre déplacement à Moscou. Allez, c'est dommage. C'est dommage. Résultat négatif. Je dirais parce qu'on était venu chercher une victoire. Regardez, hein, il y a eu très peu d'action. 1-1, les gars, on verra ce qu'a fait le Real. Aïe, 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 les gars, le Real Madrid qui a gagné son match. Là, les gars, c'est chaud parce que le Real a gagné. On va le voir tout de suite au tableau. Allez, change encore, s'il te plaît. Voilà, Ligue des Champions. Regardez, le Real Madrid qui a gagné, ce sera la différence de but. Oh là là. Ah non, c'est la confrontation directe. C'est la confrontation directe qui fera foi, les gars. De toute manière, on sera européen. De toute manière, on sera européen. Mais est-ce que ce sera la Ligue des Champions ou est-ce que ce sera l'Europa League? On espère tous que ce sera la Ligue des Champions. Bien sûr qu'on espère tous que ce sera la Ligue des Champions. Ce match, il se jouera. Alors là, il faut jouer l'équipe. Là, il faut jouer l'équipe B. L'équipe 1 et l'équipe B. Non, 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 non. Oh putain, faut que j'arrange un truc là. Faut que j'arrange le truc au niveau du temps de repos, ça dit quoi? Équipe 1, là, il y a que 3 jours. Équipe B. Et équipe B, équipe 1. On va faire comme ça, voilà, ils auront une semaine de repos, l'équipe 2, pour enchaîner. Là, les... Sérieusement, ils se plaignent qu'ils jouent pas beaucoup, certains, mais... Quand je regarde au niveau de l'effectif, les mecs, je suis quand même relativement cool avec eux au niveau du temps de jeu, quoi. Je veux pas dire, hein. Oh non, il est blessé, Tolisso. On va voir... Combien de temps? Mais là j'ai un peu peur.
Là, j'ai un petit peu peur. Au niveau de la blessure, j'espère que c'est pas trop long. J'espère que c'est pas trop long là. Il faudrait que je fasse un choix entre Loftucci et Stark. Parce que ben, c'est les deux meilleurs milieux de terrain qu'on a dans l'équipe 2, j'estime. Bref, de toute manière, il faut jouer avec cette équipe-là. Gestion d'équipe. Le petit Ander Pereira est trop fatigué, donc il va encore jouer avec l'équipe 2. Ma foi, Tarachaï. Il faut vraiment qu'on cartonne là. Il faut qu'on gagne contre Crystal Palace. On revient au championnat. Hein. On est toujours leader, donc il faut absolument battre Crystal Palace. C'est parti, les gars. Oh, magnifique arrêt de McCarthy. Je crois que c'est McCarthy, si je dis pas de bêtises. Ouais, McCarthy, magnifique parade. J'ai de très très bons souvenirs de ce gardien hein, au niveau des performances. Hein. Je me rappelle d'une finale où il nous avait mais dégoûté avant de céder trois fois. Oh, dommage! Elle partait bien cette balle de la part de Mopey. Dommage, elle était belle cette frappe. Ouais, c'est juste belle action, belle combativité d'Oxford qui met un très très bon ballon sur Mopey. Allez, on les sent très très lents au milieu. Ouh, il est passé. Oui, il est passé. Il est passé. Tu vas seul. Tu vas seul. Penalty! 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 Super Mopey! Super travail Mopey! Sa vivacité a fait la différence. Et carton jaune, allez. On va avoir un penalty dans ce match. C'est le deuxième de l'épisode. On le prend, hein, très clairement. Zvolinski, tu dois nous l'assurer. Oui! 9e but! Allez, Zvolinski qui marque! Et voilà. Et voilà, je vous disais, ça peut tomber sur n'importe quelle action débile. Et ben là, ça fait partie de l'action débile. Ça fait partie d'une action, mais tellement bête. Marouane Chamakh qui marque l'égalisation pour Crystal Palace. Voilà, c'est des buts bêtes, c'est des buts comme ça que je parle, c'est des buts où on s'y attend pas forcément et ça nous tombe dessus. Allez, ça fait rien. Ouais, le petit Mopey, malheureusement pour lui, hein, la première ligue, il est très bon quand il a l'espace, mais vraiment en première ligue, l'espace, on n'a pas assez. C'est ça le souci. Par contre, lui, il a l'espace. Oh là là, dommage. Superbe, il a sauvé le ballon. Magnifique, les gars! C'est ça! C'est ça, les gars! C'est ça, les gars! Oh, mais Loftus-Cheek, mais quel joueur! Et super travail de Sani, Tarachaï, et qui marque! Waouh! C'est trop beau! C'est trop beau, les gars! Superbe. Oh là là, les gars, vous me vendez du rêve là. Là, ils m'ont vendu du rêve. Superbe. Ils me vendent du rêve sur cette action, les gars. Rêve à 100% là. Superbe. Allez. C'est un truc de fou. Je suis resté durant l'action. J'étais tellement concentré que j'ai même pas parlé, les mecs. Ouh, parfait, 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 les gars. Allez. On va pas céder de points à Chelsea. On va pas leur céder un point. Vas-y, Mopey. Et alors, vas-y, petit. Mais vas-y, au lieu de me marcher à côté des parois. Il me marche à côté des pompes, ce con. Allez, Loftus-Cheek va lomber. Zvolinski. Yes! C'est ça, les gars. C'est là où on voit les grandes équipes. C'est que même quand on joue pas super bien, on s'en sort. C'est ça, les gars. Magnifique. Magnifique. On est chaud. C'est bon. On est là, on est là, on est là, les gars. On est tellement là. Bravo, les gars. Allez, les gars, il faut absolument juste faire le match qui nous. Moi, personnellement, Tottenham, ils me font peur, mais je me dis qu'il y a aussi des gros derrière qui vont peuvent faire un deuxième tour de malade et qui peuvent remonter. Et je pense que Chelsea peut être cette équipe qui pourrait vraiment exploser au deuxième tour et vraiment, là, limite, faire 20 matchs avec que des victoires, quoi. Donc, c'est vraiment le genre d'équipe que j'ai pas envie de rater. Quand je joue contre elle, il faut vraiment gagner parce que limite c'est des doubles, c'est des points. Ouais, ce serait. Oh, ils ont Emilson Fernandez, les mecs. Ils ont acheté Emilson Fernandez. Carrément, le mec du FC Sion, là, qui a signé à West Ham. Carrément, le gars, il a Chelsea.
Joué Cosiello. Ouais, ça c'est très bien joué par contre. Oui. Magnifique action. Et c'est Stark. C'est Stark, c'est bon, c'est bon. Stark n'est pas blessé. Stark n'est pas blessé. Ouais, magnifique. Ça part de, du petit Mopey, hein, qui est hop. Ouais, franchement, il a super bien joué. Et il coupe juste devant. C'est qui au goal? Je sais pas qui est au goal. Mais il coupe juste devant Stark. C'est parfait. Deuxième but pour Stark. Ah, c'est goal. C'est clair. C'est clair qu'on est beaucoup trop large défensivement là. Ça pardonne pas, les gars. Égalisation de Chelsea. Diego Costa. Allez, on va tout faire pour y arriver avant de se concentrer sur le prochain match de la Ligue des Champions. Mais d'abord, il y a ce match très très important qu'on doit être capable de s'en sortir. Ouh, il y a la possibilité de tirer là. Oui! Stark! Magnifique! Qui a dit qu'il était défenseur central? Qui a dit qu'il était défenseur central? Il n'est pas défenseur central. Il est juste, mais incroyable ce joueur. Stark, c'est un super joueur. Super joueur, Stark. Magnifique. Quelle lucidité. Magnifique frappe. Il inscrit là son troisième but et un doublé. Notre milieu défensif. Yes! Allez! Venez, les gars! Venez, les gars! 3-1. Quelle erreur! Mais quelle erreur du. Oh là là, Handanovic, ça fait mal aux yeux de voir ça. Chelsea qui se trouve, mais c'est incroyable. Les grosses équipes, ouais, on a vraiment de la. Pas de la facilité, mais ils font souvent des erreurs. Arsenal avait fait des conneries aussi contre nous, hein. Et là, regardez, hein. Aïe, 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 aïe. Et goal. Ah, putain, ils sont en train de pousser. Et c'est Eden Hazard. C'est Eden Hazard qui marque. Ouille, ouille, ouille. Les gars, faut pas cracher. Faut pas cracher. Faut pas craquer. Faut pas craquer maintenant, les gars. Sérieusement, faut vraiment pas qu'on craque. Allez, Dragovski, il y a de la place devant. Mopey. Ouf, ouf, on m'a envoyé le ballon. Mais c'est gagné, les gars. On gagne. On gagne. On gagne. Et le plus important, les gars, c'est qu'on gagne. On bat Chelsea, les gars. Allez, on a battu Chelsea. Bravo, les gars. Bravo. C'était très, 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 très compliqué. Mais on gagne. Heureusement qu'on a un Nicolas Stark de feu aujourd'hui et on gagne sur des détails. Allez les gars, là c'est la grosse 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 pression. Hein. On a vraiment de la pression. C'est le dernier match du championnat. Et là les gars, la pression est assez importante là. Parce que vraiment, j'aurais vraiment. Ouais, j'ai pas envie de me dire que ça peut se finir. Vraiment, l'équipe, elle est vraiment forte, mais j'aurais vraiment le seum qu'on soit éliminé ce soir. Allez, c'est parti, on va pas être éliminé, on va faire le grand match. Le grand match que tout le monde attend de nous, avec notre équipe, avec notre très 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 belle équipe, et on va gagner ce match et on va se qualifier. C'est parti, allez. C'est hors-jeu. Mais oui, il y a hors-jeu, mais oui, mais oui, mais Rashford, il est inexistant, là. Je sais pas ce qu'il a, le petit Rashford, mais là ça va plus trop là depuis quelques temps. Il est plus trop là, le petit Rashford. Il est plus trop là. Alors qu'il nous a mis, mais je ne sais combien de buts la saison dernière. Quand il y en a un qui va bien, l'autre ne va pas bien. Entre Zwolinski et Rashford, ils peuvent pas être les deux au top en même temps. Hein. Non, non. Ce serait trop con. Ce serait trop fort après. Mais non, mais non, mais non. Quoi, sérieux? Il fait un excellent arrêt, le petit. Le Mousselera là. Oh là 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 là, il fait son match. Mousselera, il fait son match. Il fait très clairement son match, Mousselera, pour le moment. Et il est en train eh ben, de nous empêcher de gagner, hein. Très clairement, qu'on se le dise. Oui, vas-y, va en bas. Unième balle qui passe. Eves. Oui, c'est Rashford! Allez! Allez, les gars! Allez! C'est ça! C'est Rashford, ben voilà, je critiquais Rashford. Il est au départ de l'action, il est à l'arrivée. Magnifique, enfin Rashford, tu marques un but. Ça, t'as quasiment fait 10 matchs sans marquer un but. C'est quand même abusé pour un attaquant, quoi. Oh là là, il est important. Ce but, il est délivreur. J'ai chaud là. Ouh là 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 là. Allez les gars. Parfait, c'est parfait.
Oh mais non, mais c'est quoi ce poteau? Pourquoi? 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 Pourquoi il y a un poteau? Pourquoi il y a des poteaux? Pourquoi il y a des poteaux? Non mais franchement les gars, je vous assure, hein, ce que je vous ai pas dit c'est que je tourne les deux épisodes à la suite quasiment. Et que je pense que j'ai fait au moins pas loin de 10 poteaux sur les deux épisodes. J'en ai marre des poteaux. J'en ai marre des poteaux les gars. T'arrachailles? Yes! Allez! Allez, voilà. Bon, au moins on est assuré, on a gagné. On va gagner ce match. On va gagner ce match. On est assuré de le gagner. C'est sûr. On est assuré de le gagner. C'est sûr et certain. Mais les gars, ce qu'il faut se dire maintenant, c'est que peu importe la suite, il va falloir voir maintenant qu'a fait le Real. C'est terrible, c'est terrible parce que là, ouais. On est en train d'atomiser Milan. On atomise le Milan AC. On les atomise. On les extermine. Ah là là, il n'y a plus rien qui va. Du côté du Milan, il y a vraiment plus rien, quoi. Et le respect est mort. Muslera qui prend un troisième but. En plus, on est en train de soigner le goal average. C'est parfait. C'est juste parfait, les gars. C'est juste parfait. Sani Tarachai qui marque. Parfait. 3-0. Yes. C'est. Voilà, il faut profiter. C'est qualification, les gars. On se qualifie. Allez, on l'a fait. On a fait un grand match. On a fait une grande poule de Ligue des Champions. On a gagné contre des grandes équipes. Vraiment, on a gagné contre des grandes équipes. On a affronté de grandes équipes. Et on se qualifie pour notre première participation avec notre équipe en Ligue des Champions. Plus qu'à voir qui nous accompagnera dans le groupe. Mais là, les gars, ça fait super plaisir. Bravo à toute l'équipe. Bravo, bravo. Allez. Alors, le Real a gagné. Donc, c'est le Spartak qui se voit éliminé. Alors qu'ils ont fait mais, toute la période de qualification. Ils étaient au-dessus de la barre. Ils sont dégoûtés, les mecs, je pense. Et nous, regardez au classement, on a toujours 7 points d'avance. C'est juste, mais le. Ce qui est. C'est parfait, les gars. On a 7 points d'avance. C'est juste parfait. Parfait, parfait, parfait. Ok. On va s'arrêter là dans cet épisode. Regardez, des meilleurs buteurs du championnat, Zolinski. Ouais, merci. Donc. Ouh, Ruben Neves qui veut parler contre salaire. Ça, c'est clair et net qu'on va parler salaire avec lui. Allez. Powell qui peut revenir. Ouh, ça fait plaisir d'avoir Powell qui va revenir. Alors, on va dire quoi là? Alors, quoi une. Waouh! 12 millions! On a reçu 12 millions de la Ligue des Champions. C'est énorme. On pourrait aller s'acheter un attaquant avec ça. On pourrait aller acheter un attaquant. Pour remplacer peut-être Mopey, qui est très clairement un peu faiblard devant. Qu'on se le dise. On verra. 12 millions, c'est énorme. 12 millions, c'est énorme. On va juste aller. Neves, il est là. Prolonger Neves. Même si on arrive bientôt à la fin de cette carrière. Je veux juste pas qu'il parte à l'intersaison. Ou qu'il, voilà. Je veux qu'il reste Neves, simplement, parce que c'est un excellent joueur. Donc Neves, on va le prolonger, les gars. Et on va ensuite avancer. Ah ben on a plus besoin d'avancer, voilà. On est donc à la 16e journée de championnat et on va s'arrêter là. Au niveau du calendrier. Donc West Brom. Oulala, on a vraiment que du championnat pour le prochain épisode. West Brom. Watford, Aston Villa, Southampton et Norwich. Donc vraiment, on a un peu, j'irais, fini les gros. Les gros matchs, même si on a un mois de janvier qui est terrible, comme vous pouvez le voir. Et après, on va. Oh là là. Oh là 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 là. C'est pas possible. Oi oi oi, l'Atlético Madrid. Pourquoi l'Atlético Madrid, les gars? C'est très compliqué de jouer l'Atlético Madrid. Ok, on jouera l'Atlético Madrid en Ligue des Champions, les gars. Ça va être compliqué. Ça va être chaud. Ça va être chaud. Il va falloir faire le taf, hein. Va falloir faire le taf, mais avant ça, il y a quelques matchs qui vont passer. Va falloir vraiment se concentrer sur le prochain épisode, sur le championnat, parce que c'est très clairement là où on va vraiment devoir cartonner, puisque 5 matchs de championnat, il y aura 15 points en jeu, il faudra prendre le maximum. On égare vraiment très peu de points cette saison, c'est vraiment positif. Ok, bon, Miazga a pris en plus 1 d'ailleurs. Regardez, Miazga est à 81, donc c'est juste monstrueux, hein, pour son âge.
Enfin bref les gars, je vous remercie d'avoir suivi cet épisode. C'était Mikroice. J'espère que ça vous aura plu, que vous aurez passé un bon moment en ma compagnie les gars. Je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. C'était Micro. Allez, salut!